coin de survie, couverture de survie, or et argent, 1m40 sur 2m20. Soudain, l'angle bâti constitue pour l'être humain un premier secours, construisant un abri inespéré devant le danger qui surgit. Il devient tout d'un coup, bon, chacun, cette pièce un coin est une pièce unique qui commémore les événements de Fukushima. On est dans le rapport à l'espace, où quelquefois l'architecture peut sauver la vie de quelqu'un qui est surpris par un cataclysme, qu'il soit naturel, phénoménologique, voire même humain. C'est une pièce que j'ai faite uniquement pour cette exposition, car l'espace était disponible et je voulais montrer un espace réel dans mon travail, tout autant que des représentations photographiques. Recto et verso, or et argent, le dedans et le dehors se ressemblent et s'unissent. Et donc ce travail se joue entre des données, je dirais, plastiques, qui relèvent à la fois souvent du dessin et de la peinture, plus souvent aussi de la sculpture et, entre autres choses, de la photographie. Donc on est sur une problématique qui intervient dans les espaces entre ces trois disciplines récurrentes qui font le lieu de l'art contemporain. À cette occasion, j'en profite pour défaire ma barbe qui représente mes 25 années d'expression dans cette région du Languedoc, au Sillon et surtout des Pyrénées orientales. C'est pour ça que je suis venu, parce qu'il y avait déjà le mot Orient dans cette région et dans cette partie de la France. Cette exposition retrace un itinéraire de 25 ans d'activité sur différents monuments du patrimoine historique catalan. Ce qui est donné à voir, ce sont uniquement des photographies ou des vidéoprojections retraçant ce chemin continu entre ces différents sites. On me demande de parler de mon travail, donc c'est une problématique, je dirais, qui est à la fois très originale et atypique, donc qui sort un peu des sentiers battus, des autoroutes culturelles que l'on voit à travers certains lieux comme les galeries ou les musées. Donc moi je m'exprime dans un ailleurs, sur un autre chemin qui est beaucoup plus marginal. Néanmoins, je reprends en considération des esthétiques qui ont été développées dans les années 70 et 80, lorsque, après des mouvements comme le Land Art, comme l'art contextuel, on a vu évoluer les problématiques vers des enjeux beaucoup plus éphémères. Bon, par anecdote, ce qui est intéressant à cette époque, on est en 1986 au prieuré de Serrabonne, c'est que pendant que j'exécutais ces premiers travaux expérimentaux dans cet espace consacré aux religieux, c'était Tchernobyl, c'était la catastrophe de Tchernobyl qui faisait l'actualité. Et il se trouve que les gens qui étaient conviés au vernissage sont arrivés avec ce flot de commentaires sur cette catastrophe, alors que moi, depuis une semaine, voire 15 jours, j'étais en introspection pour pouvoir produire cette œuvre. Ces images sont typiquement inspirées de l'Inde et d'un voyage d'études que j'ai effectué quelques années auparavant. Là, nous sommes au Palais des Rois de Majorque, quelque temps après Serrabonne, et c'est la seule fois où j'ai eu à me confronter en architecture à une œuvre aussi monumentale. Les pièces qui sont présentées ici par l'image sont des pièces qui mesuraient entre 400 et 500 mètres carrés, donc qui ont nécessité une approche technique de plusieurs semaines pour être réalisées. Toutes ces œuvres, évidemment, disparaissent aussitôt l'exposition. Ce qui donne plus de force et peut-être plus de présence à cette problématique plastique in situ. Donc, au départ, c'est une technique traditionnelle qui m'a inspiré. Il s'agissait avant tout de récupérer des matériaux qui était présent déjà dans l'environnement immédiat, c'est-à-dire des terres, du blanc d'Espagne, des lumignons, du sable, du marbre, je dirais
du sel, tout ce qui pouvait apparaître comme faisant sens par rapport à l'architecture et pouvant aussi être lié à un comportement environnemental au niveau de cette quête de matériaux. Donc là, grâce à Philippe Poujas, j'ai eu l'occasion de travailler au Château Royal de Collioure. Ça a été une expérience extraordinaire, car dans ce cadre, je dirais, de prestations artistiques, il m'appartient de vouloir et de pouvoir vivre quelque temps dans le cadre du lieu dans lequel je vais travailler. Donc, passer plus de 2 mois à préparer ses œuvres dans un site aussi remarquable était pour moi une expérience extraordinaire. Outre-mer était le titre que j'ai donné à l'œuvre, compte tenu de l'aspect chromatologique de cette expérience plastique. Les dessins renvoient à des fragments de faïence, de céramique du 16e et 17e qui ont été trouvés évidemment dans le site et qui m'ont inspiré pour la réalisation plus monumentale de ces dessins à répercussions, je dirais, ornementales, figuratives et végétales. J'ai choisi le site du Palais des Congrès parce qu'on avait un espace très linéaire en 3 salles qui me permettait de montrer les images donc, liées aux 3 actions que j'ai pu réaliser avec l'aide de la direction de l'action culturelle de la ville de Perpignan. Ces 3 actions se sont répercutées sur 2 ans et demi de travail à travers 3 événements principaux. L'un faisait appel à un site qui c'était les jardins de la Miranda à Saint-Jacques. Un autre faisait appel au vieux parvis de la cathédrale Saint-Jean. Et un troisième était consacré à la fête d'Hanouka et au site un peu extraordinaire du Mikvé dans le couvent des Minimes. À travers ces problématiques, je dirais, très occidentales des années 70 et 80, on a vu évidemment que la nature des œuvres était remise en question, que les disciplines et les genres esthétiques n'avaient plus uniquement, je dirais, une raison d'être. Ils pouvaient être pris en compte à travers des interférences et des liens beaucoup plus subtils. Ainsi, le matériau est devenu un élément signifiant du travail artistique, surtout dans la sculpture contemporaine. Travailler avec du sel, comme c'est le cas à l'occasion de cette chapelle de Villeraz, était une façon justement de positionner le matériau comme un élément à la fois signifiant et relevant aussi d'une signification plus complète avec l'espace dans lequel il se retrouvait. Là on voit la chapelle, les pieds dans l'eau, et c'est à partir de ce type de phénomène que l'idée de création, d'une mise en scène de l'espace intérieur et extérieur est venue. Techniquement, cette couronne qui est arc-boutée sur une partie du coin de la cathédrale se dessine au sol et se remplit sous forme d'un dessin fait à partir de blanc d'Espagne. Ensuite, ce blanc d'Espagne est rempli à nouveau pour donner plus de chromaticité et de symbolique à cette couronne christique. Ici, ce sont des terres ocre et rouge qui viennent évidemment de la région. Sur ces mêmes entrelacs de couleurs, j'y ajoute un certain nombre de points qui augmentent l'épaisseur du graphisme et qui sont constitués par des lampes votives qu'on appelle plus couramment lumignons. Celles-ci sont aussi également chromatiquement sang et or, c'est-à-dire ocre et rouge. La mise en lumière de cette couronne a constitué l'événement qui était une réalisation qui devait fonctionner pour la nuit des Lumières et la nuit de la Santa Lucia qui
qui commémorait un certain moment de l'année dans la ville de Perpignan. Donc une fête de la lumière dans laquelle s'inscrivait cette œuvre. Ce sont des sortes de sculptures dans l'espace, et donc il m'intéressait dans cette exposition de représentation à travers la photographie de cet événement, de montrer la même œuvre à différents moments de la journée et sous différents angles de vue, c'est-à-dire donner une image très spatiale, très dynamique, de ce qui est vraiment une œuvre en 3D, voire même en 4D, puisqu'il s'agit aussi de prendre en compte le temps. Donc, juste quelques mots encore sur cette exposition qui dure jusqu'au 3 mai. Il va y avoir dans une semaine, c'est-à-dire pour le 8 avril, une petite supplément d'exposition dans le cadre de la librairie Torcatis à Perpignan, où j'aurai l'occasion, à partir de 17h, le 8, de signer ce merveilleux catalogue qui, pour moi, est une sorte de finitude dans ce premier cycle d'expression et permet à tous ceux qui veulent rencontrer mon travail d'en voir un peu tous les différents épiphénomènes à travers 25 et voire 30 ans d'activité. Cette exposition fait un peu la synthèse d'un premier cycle d'expression qui tiennent de l'intervention à l'installation jusqu'à l'œuvre in situ et qui est éphémère par nature. Ces couvertures de survie sont l'enjeu d'un second cycle qui se joue actuellement sur le site du prieuré de Marcevol. Dans le cadre du paysage de Marcevol, le travail consistera à prendre en charge un certain nombre d'éléments qui constituent le paysage dans son sens le plus pictural, culturellement parlant, et donc les chemins, les chaos rocheux, les espaces construits, et également le végétal, l'animal et l'humain. La couverture de survie étant l'unique élément plastique et qui permettra de réunir ces différentes interrogations du paysage.